Boucle d'or et les trois ours. Ce matin, il fait beau. En se réveillant, Boucle d'or décide d'aller marcher et se promener en forêt. Elle marche longtemps. Tout à coup, elle se sent fatiguée et puis, elle a faim. Tiens, se dit-elle, si je demandais du pain dans cette maison là-bas. Toc, 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 y a quelqu'un? Demande Boucle d'or. Pas de réponse. Alors, elle pousse doucement la porte. Personne. Elle l'ouvre en grand. Toujours personne. Elle entre dans la maison. Le couvert est mis. Sur la table, il y a trois bols de soupe fumante. Oh, comme ça sent bon! Elle s'approche de la table un peu intimidée. Elle a très faim, mais elle se promet de n'en prendre qu'un tout petit peu. Boucle d'or goûte d'abord le plus grand bol. Paf, comme c'est salé! Et puis, c'est trop chaud! Autour du bol moyen. Oh, celui-là est déjà tiède, dommage! Et le petit bol, Boucle d'or en prend une gorgée, puis deux, puis trois, puis, et voilà, elle a tout bu, comme c'était bon! Après avoir bien mangé, Boucle d'or a envie de se reposer. Elle trouve trois fauteuils dans la maison, un grand, un moyen et un petit. Le grand est trop mou, on dirait une éponge, et le moyen, trop dur, beaucoup trop dur, une vraie planche. Par contre, le petit fauteuil est parfait, ni trop dur, ni trop mou. Mais Boucle d'or n'y reste pas longtemps. Crac, patatrac, la voilà par terre, en miettes le petit fauteuil. Oh, mais j'ai sommeil, moi, pense Boucle d'or. Où est-ce que je vais m'installer pour faire la sieste? Elle monte au premier étage. Dans une grande chambre, il y a trois lits. Un grand, un moyen et un petit. Le grand est beaucoup trop grand. Il fait froid toute seule là-dedans. En essayant le moyen, elle crie « Oh, ce lit est trop chaud. Ces couvertures m'étouffent. » Et elle lance tout à travers la pièce. Autour du petit lit à présent. Ni trop froid, ni trop chaud. Tiède et doux. Boucle d'or s'endort et fait aussitôt de bien jolis rêves. Au même moment, la famille ours au complet rentre de promenade. Quelqu'un est entré chez nous, gronde papa ours d'une grosse voix. Mais qui cela peut être? Chuchote maman ours d'une voix inquiète. On a bu toute ma soupe, crie petit ours d'une voix furieuse. Quelqu'un s'est assis dans mon grand fauteuil. Il est tout enfoncé, gronde encore papa ours. Et le mien, il est par terre, chuchote maman ours. Et le mien, il est tout cassé, pleure petit ours. Dans la grande chambre, papa ours gronde. Mais qui a osé toucher à mon oreiller? Maman ours chuchote, « Mais quel désordre! Où est donc mon édredon? » Et petit ours crie, tout excité, « Oh, regardez! Quelqu'un dort dans mon lit! » Boucle d'or se réveille alors, en sursaut, et voit les trois ours devant elle. Épouvantée, elle se sauve en courant. « Mais reviens, petite fille, nous ne te voulons pas de mal, gronde papa ours. Veux-tu encore de la soupe ?» demande maman ours. « Oh, viens jouer avec moi !» crie petit ours. Mais vous pensez, Boucle d'or est déjà loin. Elle s'enfuit à toutes jambes dans la forêt, persuadée d'avoir trois ours en colère à ses trousses. Et tout en courant, elle se promet, il est temps, de ne plus jamais entrer chez les gens sans permission.